Shalom, 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 shalom chez vous ce matin. Bon dimanche chez vous. Moi, je suis en route pour l'église. Alors, j'aimerais partager une pensée pour ce dimanche matin à quelqu'un, avec quelqu'un. Je prie que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous protège, qu'il nous préserve partout où nous sommes, qu'il nous fasse du bien, qu'il nous comble de sa grâce. Alléluia. Alors, ce matin, je vais lire la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, je te recommande ces instants. Laisse que tu nous parles, que tu nous fortifies au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Je vais lire dans le livre de Actes des Apôtres 17 au 25e verset qui dit ceci. 16, 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent, les liens de tous les prisonniers furent rompus. Il y a un moment où les liens vont être rompus. Dans la louange, dans l'adoration, c'est pourquoi j'aime bien, excusez-moi, je viens de me réveiller. Quand nous adorons le Seigneur, c'est dans la louange et dans l'adoration que le Seigneur se manifeste à son peuple. Alléluia. Alors, vous allez vous rendre compte que quand nous prions, moi, je ne pense même pas que Paul et Silas, quand ils se sont mis à adorer le Seigneur, ils pensaient que les liens vont être rompus. Non, ils ont seulement adoré. Adore le Seigneur, loue le Seigneur, prie. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Je pense que c'est ce qui s'est passé avec eux. Ils se sont seulement mis à prier. Ils se sont mis à adorer le Seigneur. Il n'y a rien que la prière ne puisse pas changer ou transformer. La prière est la clé, comme je le dis tout au début de mes vidéos. C'est la réponse à tout. La prière est la réponse à tout. La prière est la clé de tout. Quand tu pries, quels que soient les liens dans lesquels tu es enfermé, les liens de famille, de célibat, stérilité, condamnation, l'addiction, il y a de ceux-là qui ne peuvent pas sortir de la pornographie, qui ne peuvent pas sortir de l'adultère, le mensonge. Quels que soient les liens, la grandeur ou la puissance de ces liens, ça ne peut pas résister à la prière. Quel que soit le temps que ça va prendre, quelle que soit la durée que ça va prendre, fais confiance au Seigneur. Sache que le Seigneur est vivant. Il finira par accomplir sa promesse dans ta vie. Ces chaînes vont tomber au nom de Jésus. Cette situation va changer au nom de Jésus. Ce problème qui te font pleurer, qui te font manquer de paix, vont finir. La Bible déclare, Dieu accorda à David la paix de tous côtés, de tout part. Le Seigneur finira par t'accorder la paix. Il y a une saison de paix qui arrive. Il y a un vent de paix qui arrive. Et ce vent finira par souffler dans ta direction. Alléluia. Alors que le Seigneur nous fortifie ce matin, je voulais juste partager cette parole avec toi, juste pour te dire que il n'y a rien que la prière ne puisse pas faire. Alléluia. La prière peut tout. La prière va changer ta vie. La prière va changer tes situations. Des choses qui te font pleurer aujourd'hui, demain, ça ne sera que deux témoignages. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom dans vos maisons. Père de gloire, nous prions à ce que ta paix demeure avec nous. Que ta paix, Seigneur, oh Dieu, que ta main puissante nous console. Saint-Esprit de Dieu, viens nous joindre, Seigneur, pour la prière. Viens, Seigneur, oh Dieu, nous donner la force que tu as donnée à Jésus pendant 40 jours et 40 nuits, afin que nous puissions savoir comment chercher ta face et demeurer dans ta présence, afin que nos vies changent et que nos vies te révèlent. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai prié et j'ai dit Amen. Shalom chez vous, bon dimanche chez vous, et que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Shalom dans vos maisons.